Hi everyone, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une grande célébration, nous allons célébrer la beauté avec la Miss Francophone. Eric Yao, le CEO de la plateforme King Culture, Washington DC, USA, souhaite beaucoup de courage à la candidate, beaucoup de courage à celle qui va gagner, qui va remporter, et bien sûr beaucoup de courage à la plateforme des Chris Business qui aujourd'hui honore la femme congolaise. Courage à tous. Eric Yaonet, CEO King Culture. Merci. Hello Miss Francophone, it's Divine Dominica, your Miss Arte Congo, USA. I hope you guys are doing well, and I know a lot of you girls are very stressed and nervous tonight. But just so you know, you are winners, even though we're gonna have one queen tonight who's going to take the crown and for her journey, but we know that all of you guys are winner. One thing to remember, have fun, smile, and good luck. Hello Miss Francophone Afrique, c'est Divine Dominica, votre Miss RT Congo USA. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes tous stressés pour ce soir, mais n'ayez pas peur, vous êtes tous des gagnantes. Et n'oubliez pas de sourire et bonne chance. Aujourd'hui, elles sont soumises à l'épreuve des dictées. Parce qu'en principe, une Miss francophone, au-delà de la beauté, doit savoir bien lire, bien écrire en français. Donc, après la dictée, d'autres épreuves attendent les candidates. Il est prévu aussi une épreuve de la lecture, c'est pour la semaine prochaine. Et puis, à part l'épreuve de la lecture, il y a plusieurs challenges du côté technique, natation, la préparation, c'est-à-dire comment cuisiner et tout. Donc, il y a plusieurs épreuves qui sont prévues avant la grande soirée finale. On veut vraiment sortir une Miss francophone qui soit à la fois une maman et une personne qui saura défendre favorablement la langue française et la francophonie.